All right, gan pile activité qu'a fait dans pays a gan pile bagaille qu'a passé bon ici là et nous sommes parler justement avec élève Kaspre Soyo pour parler de causer Diamond Challenge. Et là qu'on aime parler d'une compétition qui pas faite aux États-Unis même qu'a faite là ici là dans pays a qui c'est compétition nationale de danse hip hop et avec moi gagne Adrien avec Savina qui là. Bonjour monsieur dame, comment nous y est? Bonjour. Bonjour, bonjour. Mm-hmm, en forme? Ça va, merci. Ça va très bien. Merci. OK. Thank you for having us. OK, on changement pour nous faire là monsieur. Monsieur ça son équipe chrétien bah oui. C'est microphone ça pour nous bailler et Savina bah oui et puis juste voilà. Non, il est bon mais il boit son et puis bien sous parler dans ça. Voilà. Et puis vous ça m'a fort dit bonjour encore. Comment est? En forme. All right, that's good. That's good. Ça est bien. Voilà, allez en forme. Et nous là, mais oui. OK, qui ça qui compétition nationale de danse hip-hop là? CNDH, son compétition nationale de danse hip-hop qui a fait sur tout territoire national là. Et audition a fait dans 8 zones dans le pays qui c'est Jacmel, Jacmel, Kai, Gonaïve, Saint-Marc, Cap-Haïtien, Mirebalais, Pétionville à Centreville. Et audition a commencé le 12 avril et n'a pas ouvert les cas et Jacmel. Et n'a gagné des grands prix qui c'est $10,000 Américain, vert. Et on salle de réparation pour équipe qui calé et un an de formation dans Dance for Life et un an boost d'études pour l'école. Boost pour l'école, pour que l'école capable continuer à l'école. Continuer à l'école, c'est ça. Donc ça son gros coquetchen projet ça rappelé mon petit crash. Et femme du que lui présenté par AIC, BUH et AI social. Tout à fait. Donc on y a idée pour aller chercher et jeune talent dans hip hop là sorti qui côté en fait. Qui ça qui dit OK pas un problème de faire. On connaît ou même au l'école de danse et mon fait toute qualité danse, c'était ca ballet, c'était ca folklore. Oui, mon connaît pour hip hop. Et femme du nous décider font compétition de danse hip hop parce que dans moment majorité ti moun yo musique yo consommer ça yo tendé c'est hip hop, c'est dancehall, c'est afro. Et donc tout mouvement ça que nous faisons, c'est pour encadrer la jeunesse. Et si nous voulons encadrer la jeunesse dans façon pas nous, faut que nous allions vers ça la jeunesse remet. Et donc c'est pour ça que nous choisissons une compétition de danse hip-hop. C'est parce que dans moment c'est ça la jeunesse remet et je pense que c'est la meilleure façon pour nous encadrer. Et voilà, et comment on y a comment audition pour le dérouler, comment concours pour le dérouler après les auditions et qui ça va venir? La semi-finale qu'a fait des Cameroun le 9 juin et il y a le critère basé sur le nombre de points. Soit il y a trois juges, trois juges ça y a un nombre de points et pour passer dans la semi-finale faut que l'équipe en fait 65 points. Le arrivé dans la semi-finale, nous allons déterminer qui est-ce qui est 10 finalistes qui prennent la finale. Qui prennent la finale, qui a fait au kiosque aussi. Oxygen, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes. Oui. Quand il y a un jeune qui a gardé là, qui compte dans ce hip-hop, et comment il est capable de préparer pour venir à l'audition, qui s'en a demandé. Et comment le groupe est capable de monter, et comment il est capable de monter l'équipe. Et il faut que l'équipe là, son minimum de 5 personnes à maximum 9 personnes. Inscription a fait dans tout le circuit à l'BUH, et c'est 1000 gouttes par équipe. Et ça va ajouter. Bon, et regardez comment inscription en fait, OK, c'est de manière que il couvre tout territoire là. Et chaque territoire a un point par yo, côté que jeune yo ka aller inscrit. Et ça veut dire n'a un finaliste qui sorti dans chaque région et pour audition yo ou bien n'a gain. C'est sous nombre de points. C'est une débat que nous ça veut dire qu'il y a une zone qui parle dans la semi-finale. Exactement. Il y a une zone qui parle, mais tout Port-au-Prince, il y a 5 personnes qui parlent et Cap-Haïtien, il y a plusieurs personnes. Donc, il est vraiment basé sur le nombre de points. Et si je ajoute un bagage, système de points, ça a son façon pour que nous bayons les meilleurs en chance. En chance, oui. Okay? Pour que le niveau jeune, ça a son niveau qui est assez élevé. Parce que, enfin, et si on garde les primes, c'est quand même ouais, bien sûr. Qui est assez faut qu'on mérite. Donc, faut qu'on mérite. C'est le meilleur qui peut gagner. Bien sûr. Mais quand il y a,
dans hip hop là, vous avez mentionné dancehall, afro, etc. Et il peut être varié par rapport à ça que lui. Est-ce que mon obligé vient danser dans audition sous musique parle ou bien c'est ou ballon musique pour le freestyle sous lui? Est-ce que le capable chorégraphie parle? Comment ça il choisit chorégraphie, il fait chorégraphie parle qui folle au minimum 2 minutes, mm-hmm. à maximum 2 minutes et demi, mm-hmm. et il choisit musique parle. Mm-hmm. Ça veut dire que on a fait sélection musique yo dans final là, mm-hmm. mais pour audition yo choisit musique parle. Gon le bagage tout qu'on dit le tourner à afro dance etc. En pile monde demandé pour qui ça moi fait hip hop parce me fait folklore, mm-hmm. par exemple. Ça en pile monde pas connaît c'est que hip hop là sont catégorie de danse liée, mm-hmm. qui ont différents styles, mm-hmm. de danse en dedans. Mm-hmm. Et on peut intégrer n'importe qui ça qu'on voulait là. Et on peut intégrer hip hop là veut dire street qui, mm-hmm. c'est la rue, mm-hmm. et tout ça qu'on présente danse la rue c'est hip hop lié. Et moi même moi que gon gros compétition nationale qui fait et international qui fait l'autre bois qui relé HHI qui, mm-hmm. c'est hip hop international, mm-hmm. côté 50 pays dans le monde participer, mm-hmm. et dans catégorie que yo ba ou yo dit que même folklore considéré tant qu'on danse de rue, mm-hmm. parce que c'est dans culture, mm-hmm. pays en sorti, mm-hmm. donc un peu le monde m'a dit pour ça faire comme dit sous comme musique hip hop là ou veut laguer deux trois folklore, mm-hmm. avec plaisir, au contraire. On connaît ça qui a fait originalité, peut-être chorégraphique. C'est ça qui a fait originalité, mm-hmm. la créativité, mm-hmm. la, à tout ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, jeune talent, montons un groupe de 5 à 10, 5 à 9, et puis à l'inscrit, et puis tant de dates d'audition. Exactement. Et puis, au cas où vous avez toutes dates d'audition, là? Mais vous avez toutes dates d'audition, là. Bon, ouais. Et, je vais essayer ça de tête pour ceux. OK. Donc Jacques Mel a fait le 13 avril. 13 avril. Et dans WAF touristique là. Mm-hmm. Kay a fait le 14 avril dans l'hôtel La Cayenne. Mm-hmm. Gonaïve a fait le 20 avril dans l'escale Pont Godin. Mm-hmm. Saint-Marc a fait le 21 avril dans Corsair Night Club. Mm-hmm. Cap-Haïtien a fait le 28 avril dans Versailles. Mm-hmm. Mirbalais a fait le 1er mai dans Centre culturel Garouguinou. Mm-hmm. Le Pétionville a fait le 5 mai dans le Villat, mm-hmm. et Centre-Ville a fait le 12 mai dans le gymnasium Vincent. Voilà. Donc, on groupe, par exemple, ma bonne expérience, on a dit Cell Stars, oui. Et on a dit Cell Stars, quand il y a un monde qui allait dans l'audition Jacques Mel, il n'est pas bon. Et puis il prend machine là, là parce que c'est semaine après semaine. Est-ce que mon monde n'est pas limité à la quantité d'audition qu'on a participé? Bon, non, ça veut dire qu'il va payer 1000 gouttes à chaque fois. Ah, ok, il faut qu'il paye pour l'aller audition. Oui, ça veut dire qu'il faut payer 1000 gouttes pour l'aller inscription. S'il veut, oui, passer encore. Mm-hmm. Il a payé l'autre 1000 gouttes à chaque fois. Et la boule gaz machine. Bien, bien sûr. Bien sûr, mais bravo. Il y a des histoires tellement intéressantes que tu parles de devoir ça. Mais il faut me dire, non, soit dit, hein, c'est que nous prenons aller sous télévision. Et il y a une bagarre que nous ne pouvons pas mettre sous télévision. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas live. Nous diffuser compétition de préférence. C'est peut-être, justement, nous ne pouvons pas mettez des monde qui vini qui pensait yo kon danser puis yo pa kon fè rien, ça veut dire ça n'a cherché c'est vraiment talent, talent, monde qui vraiment gain pur talent, et donc c'est ça. Voilà, on y a on va parler de pur talent et toute audition ça va filmer mon nouveau parler chance sur la télévision, mais c'est semi finale avec finale. Non, toute audition yo, toute semi finale, toute finale a filmé, et mais justement li pa filmer live, libre aller. Oui, bien sûr, en différé, bien sûr. Tout à fait. Oui, on va faire montage pour montrer exactement. Ça qui est bien intéressant. Exactement. Et ça, tout avec montage que nous allons faire, c'est que nous pas seulement montrer talent, ça, mais nous allons montrer la vie de tout le monde, côté de sorti et qui vécu, ça, qui ça a porté. Qui sa danse représente pour vous. Qui sa danse représente pour vous. Nous allons tout rentrer dans l'aspect social. Ça veut dire que si vous même êtes président, un jour, qui ça yon même yon ta remettre pour pays yon. Et c'est pour ça que yon n'a pris que m'pas dit yon tout, c'est que nan $10,000 américains, $7,000 pour aller pour équipe l'an personnellement, mais $3,000 nan $10,000 ça yon, faut que $3,000 ça yon al pour un projet dans communauté social qui parle dans communauté yon. Que nous apède yon, créer ou bien comment yon? Non, que nous apède créer yon justement pour nous make sure que yon follow-up qui fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que après compétition, l'activité n'a pas campé. Donc, l'équipe gagnante, Kounia, a bien pour faire un travail supplémentaire, côté que l'a impliqué dans la communauté, côté que l'a porté un bagage positif qui pour permettre la communauté ça à développer tout. Intéressant. Et donc, pour avoir suivi et à travers nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, et aussi gagnant qui pour participer dans la communauté. Donc, son gagnant-gagnant et que compétition ça, et même pour la communauté à tout, pas seulement pour le monde qui a dansé. Oui, tout à fait, ça c'est certain. Donc, après, appeler Mounio justement, lancement compétition fait déjà.
Ça veut dire, dans le moment que nous avons parlé, nous sommes capables d'aller dans n'importe qui succursale BUH. Il y a une forme d'inscription pour nous inscrire et puis pour nous présenter, peut-être avec fiche d'inscription dans l'audition. Très bien. C'est ça. C'est quoi? Parfait. Et qui côté, sous qui chaîne de télévision que n'a passé parce que comme on qui m'a dit ça, est-ce que n'a pas online tout, est-ce que n'a posté sur Facebook, genre de bail ça. Nous ça c'est pour télévision, nous sous Google Caraïbe, sur tout Google Caraïbe là. Mhm. A supporté projet ça à 100%. Nous sous TNH, nous sous Storm, Télé Pacifique et Télé Créole et qui sont encore. Bon, et puis n'a vraiment nous sur social media. Pile télévision, toutes social media n'a pas actif, nous gon et chaîne YouTube. Que n'a mettez tout ça qui a passé pour mon l'autre boy si vous t'aimé. Oui, gardez tout, bien sûr. Que vous allez sur chaîne YouTube là. Quand on parle de prime qu'on dit, par exemple, si mon sa yo a besoin une information, vous dites non Dance for Life. C'est ça. Quand question qui vient de moi qui dit et si ti moun sa yo pas porte presse. Un peu moun mande ça. OK, donc malheureusement si ti moun la pas si équipe la pas porte presse, Dance for Life lui-même a organisé des séminaires, des workshops régulièrement pour qu'on y a nous-mêmes aller pour n'aller apprendre ti moun sa yo. Très intéressant. L'autre question que moi je joine là sur internet là qui mandé on va parler de Royal de Cameroun le en juin et pour dire finale en juillet, c'est ça? En août. Voilà. Le 4 août. Voilà. Toute date correcte, c'est sous cœur oxygène. Oui. Parfait. Bon bagaille. L'autre question qui vient de jeune, est-ce qu'un danseur professionnel qui a participé? Et ça, les danseurs professionnels, ça veut dire un monde peut-être qui est réputé, qui participe dans le bail déjà, que nous connaissons, genre de bail ça. Bon, nous pas qu'à limiter le monde. Qui vient ça n'a pas cherché ses talents. Donc si mon ça son professionnel qui condense et le cavoué pays à monter, nous pas qu'à dire mon n'a pas venu. Donc c'est pas rien qui est limité dans ça. Parce que l'idée tout c'est pour monter niveau. Donc si qu'on y a un professionnel qui vient cap danser, l'autre monde qui pour elle prend la vie tout arriver dans niveau ça. Donc il va faire le maximum, il va donner et tout ça au gain en termes de comme on m'a dit ça, en termes de capacité pour que arriver dans niveau ça. OK. Quoi que soit là qui est intéressant. Et c'est vrai que et nous demandons 9 monde, est-ce que nous exiger pour une fille dans l'équipe là ou est-ce qu'il y a des nous pas exiger mais il y a des groupes qui seulement filles, il y a des groupes qui seulement garçons. Mix. Ça dépend de monde là. OK. Est-ce que juge n'a prend ou a une expérience dans hip hop? Oui. Et donc n'a gagne 2 juges, donc a gagne 3 juges sous panel là. Côté deux juges, des connaisseurs de la danse, des directrices de danse, et des écoles de danse, etc. Et pour quelqu'un qui est neutre, qui s'est au moins qui juste à pas l'apprécier. Ça veut dire, ou même quand elle qui s'est mon port de paix, en algonaïf, mon port de paix descend, c'est pour le juge mon port de paix. Et le fait qu'on pas qu'on a une danse là, justement. Qui est-ce qui nous parle dans l'autre? Bon. Racontez, j'aime t'aller danser avec Cara dans l'école là. Ah, c'est awesome! Ça c'est pour l'autre jour. Yo, mais bon, pas qu'à venir dans l'émission pour venir dire pas qu'on a rien à danse, alors que me craser ça le danse où on le est. C'est vrai. Mais. Oui, non. Dans le sens comme si, je ne suis pas danseur professionnel, je ne pas danser régulièrement. Oui. Même qu'à apprécier. Et c'est justement ça que vous avez gagné. Justement, pour donc, mais il y a un monde qui est neutre. Ça veut dire un monde que le lavga des équipes qui ont dansé, ils sentent une énergie qui a dégagé dans l'équipe, ils sentent l'attitude, et énergie, la posture, la gens nous l'ont présenté, ça veut dire que tout ça, c'est des critères que nous allons juger équipe. Voilà. Bon, question qui vient de dire. Est-ce que nous n'avons pas l'idée, tout justement après compétition, ça, puisque nous avons un pile talent mondial, national, pour ne pas faire une équipe nationale qui peut être capable peut-être de représenter Haïti dans la compétition? Moi, très content, madame. Ça, c'est objectif. Nous, justement, nous voulons monter en compétition, en équipe nationale, qui justement, même compétition, je parle de HHI, qui peut représenter Haïti dans des compétitions internationales. Tout à fait. Voilà. Eh bien, et vous ajoutez ton bagage ou dégagez-vous? Et mettez vous parler de thème. Et vous parler de thème compétition, ça, qui c'est danser pour aller plus loin. Et nous choisissons faire thème danser pour aller plus loin. C'est justement pour nous dire la jeunesse à tout Haïti. Il faut que aujourd'hui, même Jean Réclame l'a dit, nous pas capable danser pour plaisir seulement, mais on danse pour aller plus loin, on danse avec un objectif, on danse pour éducation pays, on danse pour santé, on danse avec une vision. Et c'est pour nous dire tout le monde, tout ça n'a fait aujourd'hui, on fait avec un raison, on fait un objectif qui est positif justement. Et donc ça c'est une
Ça, c'est pour ça que tout thème là justement c'est danser pour aller plus loin. Oui, mais l'intéressant que justement qu'on gagne thème ça m'inspire si mon justement pour que y a la compétition que on gagne côté que comme là c'est pas bouler ou bouler comme là mais on gagne dans l'argent qui pral dans la communauté pour un projet quelconque. Effectivement. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait tout. Là m'a parlé au nom de groupe mm-hmm. et qui c'est AICBIH mm-hmm. et c'est ça qui fait que nous décidons tout pour accompagner projet ça. Mm-hmm. Parce que l'on regarde l'aspect social, là, mm-hmm. aspect communautaire, engagement, mm-hmm. solidarité, mm-hmm. esprit d'équipe, mm-hmm. tout ça, c'est des mots que nous-mêmes nous cultivons à travers l'entreprise là, mm-hmm. et que nous pensons que si nous avons associé et thème ça yo, à une compétition mm-hmm. okay, qui permet de nous évoluer et cultiver mm-hmm. et caractère ça yo, mm-hmm. à ce moment, nous voyons que nous avons un impact positif dans la société. Là. Tout à fait. Donc, très souvent, jeunes, ça, moi, quand il y a des gens que moi connais, qui ont vu des vidéos pour moi, dernièrement, je me souviens, l'année passée, nous avons reçu un groupe là, qui lui même était supposé aller en compétition à Atlanta. Ils ont collecté l'argent pour aller pour le diable et il était très difficile pour eux, mais ils ont été chargés de talent. Et je crois que ce n'est pas l'opportunité pour eux-mêmes, pour yo faire connaître tout dans voilà. pays parce que là on parle sur télévision c'est pas un peu le monde qui parle connaître qui ça que capable faire qui ça que yo connaît suivre yo jusqu'à ce que peut-être yo gagne compétition mais même si yo pas gagne mais son expérience qui parle peut-être apprendre yo en pile bagarre parce que pour même on parle des professionnels que juger yo c'est parce ça. Que dans pile là aussi des amateurs que quand même qui parle, c'est bien des monde qui allent dans l'école de danse pour qu'on ait c'est des talents innés que yo gagne yo garde des trois vidéos yo et fait des mouvements etc son exposé que la pied pour yo ils sont série d'apprentissage tout que la vie pour yo et tout ça qui va venir après au-delà de concours pour le cool ou par exemple qu'on est tout des équipes qui viennent qui peut être dans compétition qui peut être pour le craser et puis sont l'autre équipe que on va le former qui pourra le bailler plus capacité son lieu de rencontre il y a fréquenter différents monde évaluer différents talents et aujourd'hui à peut-être faire des connexions bien sûr ça pour moi même très intéressant en tout cas je suis content que bon compétition et de ce genre qui fait pour quelle raison parce que moi-même, je participe dans plusieurs compétitions. Soit à ma prostitution, ou bien je participe là-dedans. Et moi, je réalise deux bagailles. Jeunes, ils ont besoin de ça. Pour quelle raison? Parce que c'est un coup, ils ont. Je ne sais pas si ils ont pièces sans ça, mais dans le vrai sens, c'est un coup, son visa que ils ont besoin pour avoir une validation par rapport à la capacité que ils ont. C'est un coup, chaque fois que nous faisons Digital Stars, je me dis. Mais pour miser comme si un artiste passait dans Digital Stars pour arriver champion, pour qui ça tout artiste a venu et retourné dans la compétition? Et réaliser que c'est ça que vous avez cherché. Parce que non seulement, en pile dans danseur, ça n'y a pas de exposé, il n'y a pas passé sur la télévision. Mm-hmm. C'est pas, si ce n'est pas comme si un artiste qui a fait une vidéo ou bien un carnaval pour mm-hmm. participer, pour peut-être un petit parti dans la chorégraphie, mais personne ne va mettre capacité en valeur. Et ça que vous-même, vous gagnez en valeur. Bien sûr, en pile là-dedans, dans des écoles de danse, vous participez dans de grands spectacles, que par exemple, dans le Soul Life, habitué à faire bien l'autre école. Mais vous n'avez pas joué une validation publique, ça. Comme si vous dites, ah, je suis dans la télévision, je ne sais pas où je fais, ou bon bagaille, continuez comme ça. Je crois que le concours, ça va l'esprit en pile. Et c'est ça qui différence tout avec. Ça veut dire artiste musicien yo mm-hmm. avec artiste danseur mm-hmm. c'est que musicien écoute le chaque jour dans radio écoute ça l'a dit ça l'a exprimé mm-hmm. et danse là son forme d'expression liée tout mais mm-hmm. malheureusement nous pas encadré danse là je pour encadrer on danse pas comme un artiste ou bien on célébrité exactement tout. Peut-être nous mm-hmm. pas encadré nous mm-hmm. pas bail en plateforme et donc justement avec compétition ça nous voulait bail plateforme à tout danseur ça mm-hmm. yo pour yo ka vini pour yo connaître si là yo fait partie de plateforme ça yo fait partie que ça y veut exprimer mm-hmm. à public yo capable. Mm-hmm. Donc en pile contrat qui peut-être éventuellement va tomber après ça tout et pour venir soit participer dans des spectacles de danse ou bien foncer de l'autre bagaille. Par exemple l'autre jour m'a regardé et blême regardé et puis me passer justement avec compétition par là. Tu es un festival qu'a fait Orlando. Mm-hmm. Et puis moi ouais tu es pile participation de danse là-dedans. Et en pile là-dedans c'est monde de l'autre nation dans Caraïbes là qui vient faire chorégraphie ça. Et tu es une équipe petit monde qui t'a dansé. Et puis me dit ici nous pas vraiment mettre ça en valeur pour t'a faire des spectacles. Donc, par exemple, nous chargez un gros spectacle qui fait que plusieurs artistes qui participent ouais. pour nous mettre dans ça. Si c'est pas un artiste qui dit on va faire un show qui te cherche et m'a pris les Blanchard là pour Blanchard bon deux trois danseurs ou bien danseuses. Personne monde pas jamais prendre initiative là pour dire pas un problème, un groupe de danse populaire capable à l'affiche tout mm-hmm. non show de ce genre. Et style mm-hmm. d'activité ça a tout un impact psychologique sur mm-hmm. tout le monde tout. Mm-hmm. Ouais, donc au lieu que grand pile monde dans la rue par exemple qui pas gain opportunité, qui pas gain option mm-hmm. et devant eux. Donc l'on capable permettre yo exprimer tête librement avec créativité, innovation. Donc pour que y a créer des bagages. Mm-hmm.
à ce moment li gon occupation qui permet li passer un moment plus positif qui permet li au lieu de rester dans la rue a, et pas fanyen li gen droit kounye di ket ben mal pratiquer ben mal essayer créer pour que la compétition comme ça yo présenté une plateforme pour me capable sortir côté mia pour mal plus loin tout à fait tu vois tout à fait. Donc très important voilà l'autre question qui vient joindre moi là non c'est justement un commentaire comme on qui fait qui dit compliment et bravo pour initiative ça mandé pour moi pour qui ça non hein, nous parler de ça. Ok, bon, voilà. Encore une fois, il parle. Ah, ok, comme on dit, Blanchard a supposé comme juge. Mais Blanchard, c'est un juge. Donc, moi, très content, je dis ça, mais Blanchard, c'est un juge dans la compétition. C'est mon PAM. Donc, oui. Justement. Et, bon, vous répondez à une question, ça. Déjà, comme on dit, pour qui ça, pas l'autre compétition de DOS. L'important pour nous connaître, il y a plusieurs autres types de compétitions que l'on est capable de faire. Et très souvent, l'on fait un bagage et puis l'on dit, pour qui ça ne pas faire l'autre bagage. Nous, tous capables de faire, ça veut dire, Savina prend initiative pour faire compétition hip-hop là. On l'autre monde capable de prendre initiative pour faire une compétition salsa, compas, folklore, ballet, j'en veux le. Et puis, bien sûr, BUH avec IAC qui patronne, il est capable de gagner l'autre compétiteur et BIH avec IAC qui met ensemble pour faire l'autre compétition. Tout. Effectivement. Et c'est ça que tu as toujours manqué, par exemple. L'un t'a fait 10 ans, ça. Tout le monde dit, pourquoi pas, bon, etc. Nous fait 10 ans, fait. Mais personne n'a pas osé dire, OK, pas de problème, qui te propose une alternative, alors que 10 ans, tu as un compétiteur qui était là. Et chargé l'autre compagnie qui était là. Et chargé l'autre monde qui a regardé de l'extérieur et qui voit toute faille que compétition a gagné pour te faire. Concours a mouru depuis 2 ans, pas une pièce. L'autre alternative qui vient. Si c'est pas un concours Noël, tu comprends? Ouais. Donc, fuck nous-mêmes, au lieu qu'on dit, pour qui ça moun kap fè, on va gagner déjà, pas faire un autre bagaille, nous-mêmes prenons l'initiative pour même faire. Exactement. Tu vois, donc c'est ça que lié. Ça veut dire, souvent, mais folklore, font compétition folklore. Aussi petit que le Dakar. Et peut-être qu'on est obligé de gagner un grand moyen pour faire une compétition nationale. Mais si vous faites une compétition locale, même si c'est sous quartier là, ou fait, li bien fait. Ou capable justement grandir pour arriver en gros compétition, ou capable une compétition internationale de folklore, même si vous voulez, dans le pays. It's possible. Et regardez pour eux, le monde prend initiative et fait une compétition comme ça. Là, il joint le support. Regardez comment Savina prend initiative là, et puis il joint le support et ici avec BUH, parce que son projet sérieux, parce que son projet qui a un objectif clair et qui permet aux jeunes d'exprimer de façon innovante. OK, j'aime t'a dit et de façon côté que caractère ti moun n'a développé. Tout à fait. Bon solidarité côté que c'est pas un championnat tennis côté que c'est un joueur comme un l'autre. Ça sont équipe qui formé, y en avait des l'autre. Si bon monde et travaille en chorégraphie tout c'est exactement c'est pas donné. Nuit que pour le perdu et monter avec des idées, venir avec des pas ça va bon, on font l'autre bagarre. Exactement. Donc là ou gain tout et enfin effet ça qui met ensemble tout point ça qui met ensemble ou a besoin de support. Il suffit de prendre l'initiative là et travailler sous plan là, développer, faire stratégie et puis on joint que support à venir. Voilà, on a l'autre question que je m'a posé. Est-ce que on restriction sur l'âge? Comme on fait point de ça là. Non, comme tout, mais pas mettre en restriction sur l'âge et pour seule raison que me pas mettre, c'est justement parce qu'on a bien saisi que quand tout monde 7 ans qu'a déposé pas. Oui. Condenser et pour que ça pour me limiter. Vous comprenez? Donc non, nous pas mettre en nous pas mettons l'âge. Tout à fait. Et ben voilà. Et ben souhaitez nous bon succès et moun yo capable suivre nous online, nous sur toutes plateformes yo et c'est NDH everywhere. Compliment encore, bon succès et dans l'activité ça et puis m pa attendre pour me commencer ouais émission et découvrir des talents dans c'est peut-être m'amener et finaliste yo et pour moi boy site là. Mais oui. Laisse ça en fait choix dans la rue pour capable de montrer démonstration. Dégage s'il vous plaît. Et bon premièrement Aïssé avec BUH parce que c'était premier moun yo qui vraiment croit dans mouvement CNDH là même ta remercier tout Sogenel, Eoseram, Digicel, Bongo, Groupe Caraïbes, Decameroun, Atamico System, Leslie Center et Radio Éclair. Radio Éclair. Tout à fait. Pas un problème. Merci beaucoup. Merci Karel pour offrir nous l'opportunité pour nous mettre bel projet ça dehors. Donc nous remercions toute l'équipe là. À la prochaine. Voilà. Merci tout le monde. On prend pause là et puis on tourne un petit moment. Ne vous limitez